اعطيني شي سكر ولا شي لعبه طلع ميرسي Alors, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on va passer une partie qui est très importante au niveau de la démarche marketing. Alors, jusqu'à présent, nous avons traité l'étude de marché. Yek, au Guinée, l'étude de marché, ça entre dans le cadre. Yalla, on continue. Jusqu'à présent, nous avons vu ensemble la démarche marketing, le premier volet d'hier. Nous avons vu ensemble l'analyse interne et externe et nous avons dit qu'au niveau de l'analyse externe, nous allons analyser le marché, la concurrence et la demande. L'analyse de la demande, ce que les gens font, ce que les gens pensent. On a encore l'analyse du marché. Bon, le marché, parce que puisque vous êtes en troisième année, vous n'allez pas entrer la partie qui traite le marché, l'analyse quantitative, l'analyse qualitative, mais vous allez plus vous concentrer sur la démarche marketing, le point de vue du marketing stratégique, ainsi que le marketing opérationnel, les 4P, ainsi que la segmentation, ciblage et positionnement. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la notion de la segmentation, ainsi que les critères de la segmentation, les objectifs de la segmentation et quelles sont les conditions de la réussite d'une bonne segmentation. Alors, au niveau de l'étude de marché, normalement l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte de l'information. Très bien. L'information sur l'ensemble des intervenants, que ce soit la concurrence, que ce soit la demande, ainsi de suite. Alors, exactement, à la demande, quand on parle de la demande, il s'agit des consommateurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des ménages, parce que nous pouvons travailler avec les entreprises, nous pouvons travailler avec des particuliers. Alors, nous pouvons travailler avec les entreprises, nous pouvons travailler avec les entreprises, avec les particuliers. Alors maintenant, l'entreprise, quand elle a étudié le marché, elle sait très bien ce qu'on a. Ce qu'on a, avec la partie du marché, elle va travailler avec. Elle ne peut pas. Il a les moyens. Alors, elle ne peut pas satisfaire l'ensemble des besoins, de l'ensemble des demandes de Kenin. Parce que peut-être qu'il n'a pas la capacité de distribution. Peut-être que le produit d'IAL, c'est un produit qui concerne qu'une partie du marché. C'est pour cela que, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'ensemble de la demande, les dettes allées à l'analyse. Je vais me concentrer plus vers le type de la demande et non pas à 100% la demande qui existe sur le marché. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une segmentation. Puis une fois elle va segmenter le marché, elle va cibler, une fois elle va cibler, elle va se positionner. C'est-à-dire que tu dis "hamam nkhdem" ou ملي كتقول "hamam nkhdem" كتفيزي هذاك لو سيغمون و كتحاول تجاوب على واحد السؤال اللي هو مهم. علاش هاد لا سيبل هادي اللي عزمت انا غتشري البرودوي ديالي وما غتشريش البرودوي ديال لا كونكورونس. Se positionner, c'est être capable de répondre à cette question. Pourquoi mon entreprise elle n'est pas l'entreprise de la concurrence. Alors, ici, quand on parle de cette segmentation, qu'est-ce qu'on entend par la segmentation? La segmentation, c'est lorsque le marché qui compte à des ensembles qui sont hétérogènes, des ensembles qui sont homogènes. Le critère, peut-être que je vais travailler avec les hommes ayant un âge entre 34 et 50 ans.
Il se peut que mon produit, c'est un produit qui concerne la catégorie le marché, c'est entre 30 et 50 ans par exemple. Il se peut encore que lorsque je vais découper le marché, je vais choisir une catégorie dans le segment qui a la durabilité du produit, c'est-à-dire un produit qui dure très longtemps. Ou là, quand on découpe le marché, par exemple, la clientèle qui dit qu'elle aimerait le produit haut de gamme. Je vais segmenter selon la gamme choisie par et il y a des critères qui sont subjectifs à l'entreprise. Bien sûr, il y a des critères qui sont des critères objectifs et il y a des critères qui sont subjectifs. L'entreprise, les critères, les IA. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre un peu l'ensemble de la segmentation? Il s'agit tout simplement de rendre, regardez, il s'agit de découper le marché à des sous-ensembles qui sont homogènes. Elle est parce que dans la nature des hommes, c'est des sous-ensembles qui sont hétérogènes. D'accord? Alors, on va poser des questions et on va répondre à ces questions. Alors, Yel, la première question, qu'est-ce qu'on entend par la segmentation? Oui. On va noter une définition simple et courte. Qu'est-ce qu'on a? Non, le polycorp. Hein? Mettre les coffres polycorp. Il s'agit d'un des coffres. Allez, comme définition, fais ça. Il y a la concentration. Alors, vous notez la définition de la segmentation. Alors, il s'agit de découper le marché étant naturellement hétérogène et il est fou la nature d'Yalo exactement étant naturellement hétérogène à des sous-ensembles homogènes. Alors qu'on dit très bien. Afin d'appliquer une stratégie marketing qui est accessible. D'accord. Afin d'appliquer une stratégie marketing accessible. Accessible, c'est-à-dire les catchmashes. Les valeurs de et les objectifs de l'entreprise. Accessible. Question numéro 2. Alors, quelles sont les conditions? Question numéro 2. Quelles sont les conditions de réussite d'une segmentation? Alors, quelles sont les conditions d'une réussite d'une bonne segmentation? Alors, l'entreprise, elle a bien segmenté le marché,
qu'il y ait des conditions. La première condition, c'est que, regarde, c'est que le segment, c'est-à-dire que le segment, que le critère, regarde, que le critère plutôt de segmentation doit être pertinent. Comment ça pertinent? Alors, je vais lire, vous devez être capable d'expliquer. Les critères de segmentation doivent permettre de définir le segment réellement différent les uns des autres d'un point de vue de la variable étudiée et qui réagissent différemment aux actions marketing envisagées. Alors, regarde. Oui. Le critère doit être clair. Très bien. Très bien, très bien. C'est-à-dire que nous avons un critère qui est 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 un critère c'est-à-dire que je vais segmenter selon l'âge. Ou là, je vais segmenter selon, par exemple, les valeurs cherchées par les consommateurs. Ou là, je vais segmenter selon le type d'habitat. Ou là, je vais segmenter selon la région. C'est un critère qui est significatif, qui est clair. Je vais segmenter selon les gens qui me trouvent qui s'effrouvent à 12 ou qui essaient de jouer à 3. Mais comment tu veux trouver ce critère pour les gens? C'est pas clair, c'est pas significatif. Alors, la première condition, c'est qu'on parle de la pertinence. Alors, vous notez. La première condition. La pertinence. La pertinence, oui. Alors, pertinence, c'est-à-dire, le critère doit être clair, et identifiable. Alors, deuxième condition, c'est la mesurabilité. Qui peut m'expliquer ce qu'on entend par la mesurabilité? Mesurabilité, oui. Hein? C'est n'est-ce pas? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par la mesurabilité? Mesurable. C'est-à-dire, ouais. Est-ce qu'il y a des critères liés à le comportement du consommateur ou à l'intérêt? Anaya, regarde. Sauf. Quand on parle des critères qui sont liés au comportement du consommateur, c'est des critères qualitatifs. D'accord, par exemple, on a fait des critères qualitatifs, le niveau intellectuel, par exemple, des gens. Ou là, quand je fais par exemple des entretiens armes, quand je chauffe le comportement vis-à-vis de la consommation d'un article, c'est quelque chose qui concerne les valeurs des individus, c'est quelque chose de subjectif. Par contre, il y a d'autres valeurs, par exemple, combien il touche, c'est-à-dire, la demande de Kéna, c'est des critères qui sont quantitatifs. Et d'ailleurs, les valeurs, on peut les intégrer selon les besoins de l'entreprise. Mais en grosso modo, les critères, l'entreprise, elle cherche à identifier les critères objectifs. Sur les critères objectifs, il y a la quantité d'elle, la demande de Kéna, la quantité des femmes de Kéna, la quantité des gens qui ont un certain revenu, ainsi de suite. Mais les critères qualitatifs, c'est quelque chose ayant relation à les valeurs, quelque chose ayant le goût, c'est quelque chose à la culture, c'est quelque chose qui trouve la personnalité d'elle, l'être humain, ou de la personne qui est à la recherche d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la mesurabilité? Hein? Alors je vais vous lire l'explication et essayer encore de me réexpliquer. Alors regarde. Des informations doivent être disponibles. Alors, le premier point, c'est la disponibilité de l'information. C'est-à-dire que ملي غادي نهبط انايا نجمع المعلومات خص يكون معلومات متوفرة. حيت الا ما كانوش المعلومات متوفرة, le segment d'IELI, ce n'est pas un segment basé sur des bons critères où l'information n'est pas juste ce qui va induire l'entreprise à l'erreur. Je vais collecter des informations, ils ne représentent pas la réalité, le comportement, le consommateur. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est la disponibilité des informations. Mesurabilité. Disponibilité des informations. Yeah.
Alors, qu'est-ce que je veux dire ? On parlait de quoi ? La disponibilité de l'information. Alors, regarde. Des informations doivent être disponibles ou pouvoir être obtenues sur les principales caractéristiques des acheteurs. C'est-à-dire que, Anaya, regarde. Est-ce que j'ai fait une étude de marché auparavant, avant de commencer la segmentation ? Oui. D'accord. Les informations, normalement, que j'ai collectées, ils doivent servir l'entreprise à une segmentation. C'est-à-dire que les informations collectées au niveau de l'étude d'il le consommateur ou l'étude de marché en général, alors j'ai collecté de l'information. Et cette information, ces informations, normalement, ils doivent me conduire l'AIH. Les informations doivent me conduire l'AIH à prendre une décision pour faire une segmentation. Alors, ici, il y a imma l'information qui est disponible, il y a imma comme si je vais amener. Comme si je vais amener l'analyse de l'ADEME. Autrement dit, c'est la disponibilité de l'information. Je vais répondre au téléphone. Alors c'est clair pour le deuxième critère ? C'est clair ? Qu'est-ce qu'on entend par le deuxième critère ? Hein ? Alors comment ça la disponibilité de l'information ? Ashrandrouba de l'information. Il va me permettre de réaliser une bonne segmentation. Elle est l'entreprise. Est-ce qu'il y a des raisons pour segmenter ou il n'y a pas des raisons ? Alors ça va faire l'objet de la troisième question. Les raisons de la segmentation. Alors, l'accessibilité, troisième critère. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'accessibilité ? Oblète. Alors, pour collecter de l'information, je dois engager des efforts. Et des efforts, supposons que je suis en train de collecter des informations sur les entreprises. Et je parle par exemple des entreprises multinationales. Il y a une idée qu'on vise des entreprises multinationales avant de rentrer le marché. Ou des entreprises multinationales, alors on va essayer de mettre une offre et sur la base de cette offre, l'entreprise elle peut exercer son activité. Alors elle est dans l'étape d'IALH, elle est dans l'étape de l'étude de marché et l'étude de comportement des entreprises. Alors, afin de pouvoir collecter de l'information, alors le segment d'étudier, il doit être accessible. C'est-à-dire que je peux atteindre des firmes et je peux collecter de l'information. Mais si tu as dit, par exemple, une étude là, les rois de l'alam, il doit être accessible. Tu dois, l'information. Alors, il y a maintenant le segment accessible, tu ne peux pas les atteindre. Alors, je ne peux pas mettre en place une segmentation afin de cibler et de se positionner. Il faut que tu puisses le segment de l'étude. Tu ne vas jamais prendre les informations. Accessible, c'est-à-dire que tu peux le segmentation. Alors, regarde ici. L'accessibilité, l'entreprise va pouvoir effectivement diriger ses efforts commerciaux et donc accéder au segment choisi. Ici, il s'agit d'accéder l'AIH, les segments choisis. Alors, vous notez. Accéder au segment choisi. Accéder au segment choisi. علاش خسروا التليفون علاش علاش خسروا بالضبط مع 8 اجور علاش صافا انا كنت جاوب على القسم عيط
Alors, bien sûr. Alors regardez, il a dit, est-ce que l'entreprise peut choisir plus qu'un segment? Elle accepte la stratégie de diversification d'elle, ou la stratégie de spécialisation d'elle, ou la stratégie de... Ça dépend de la stratégie de l'entreprise. On va voir les stratégies de segmentation. Alors, marketing ou le management, tu dois le programme de troisième année, on aurait pu chercher que tu veux faire chercher que hier, on va dire que tu as pas que tu as pas. Là, tu as mis harpa. Tu dis que tu fais une matière, tu dis que tu fais. Donne super pinier. Alors, je continue. Alors, quatrième condition, c'est laquelle? C'est la rentabilité. Comment ça, la rentabilité? Hein? Regardez, les marketeurs. C'est des gens honnêtes. Tu sais pourquoi? Ils essaient de chercher le moyen pour maximiser le profit de l'entreprise. Alors, les marketeurs, ils trouvent les moyens et les outils nécessaires au développement de l'entreprise en concertation avec les différents départements. Les marketeurs, mais si ils ont des fournisseurs, c'est très normal. Un marketeur, il cherche le bien-être de la société. Et quand il est une simple, par exemple, un simple coup d'achat, فديك لو كودا سنتي اللي كنت حس 6000 5% يبدلوك يمشي عند الاخر علاش باسكو il doit rentabiliser les gains de l'entreprise ديالو c'est quelque chose de bien. Alors quatrième condition, c'est la rentabilité. Qu'est-ce qu'on entend par la rentabilité? C'est-à-dire que le segment choisi il doit permettre à l'entreprise de réaliser les bénéfices et renforcer son résultat commercial. D'accord, يعني le segment اللي غتعمل معاه خصو يكون كيخلي l'entreprise انها تقدر ملي غتبيع ليه تحقق من ظهره ارباح على المستوى التجاري على المستوى العام. الوغ رونتابيليتي فونوتي. الوغ لا تاي دو سيغمون دوات اتر سوفيزونت بور رونتابيليزي les efforts engagés par l'entreprise. Les efforts engagés par l'entreprise. Question suivante. Alors, question suivante. Quels sont les objectifs de la segmentation? Qu'est-ce qui me pousse à segmenter le marché? Hête le marché? Regardez. Fait plusieurs segments. Yeah. Le segment, il a le besoin d'yélo. Ou un an d'entreprise d'yélo. Alors, on continue. Alors, une vidéo, Alors, quels sont les objectifs de la segmentation? Qu'est-ce qu'on a dit? Regardez. S'il vous plaît. Alors, sauf, pourquoi je segmente le marché? Pour répondre aux besoins. Très bien, c'est pour répondre aux besoins d'Yelmen. D'Yel, une demande que j'ai choisie parce que le marché fait bzaf d'Yel les demandes, ou fait bzaf d'Yel les besoins. Alors, il y a des besoins, Et ce qui me concerne, c'est le type d'Yel, le segment, le besoin X. Alors, on a peut-être l'offre d'Yel sur le marché. شكون غادي يشري من عندي؟ غير هي واش انت غتشري؟ هما الاخرين غادي يشريو؟ علاش؟ باسكو سكو جو في بروبوزي كوم سوليسيون نو بيرمي با دو ساتيسفير فو بوزوان. سي بور سولا كو جو في انايا سيغمونتي بور سافوار شكون هو لو سيغمون
qui va me permettre de rentabiliser mon affaire. Ou ce que nous avons le segment, les radins proposent l'offre d'y aller. Alors, plus que je segmente le marché, plus que j'identifie le besoin, plus que je peux répondre les besoins du segment que j'ai choisi. Alors, segmenter, c'est pour mieux adapter l'offre aux besoins d'y aller, les segments choisis. C'est-à-dire que les radins découpent le marché. هذاك لو مارشي ملي غادي كوبي غنعزل واحد لا كليونتي اللي غادي نبروبوزي لها لوفر ديالي وكل ما قسمت لو مارشي كل ما مشيت لعند هذاك لو بيزوان سبيسيفيك ديالو كل ما عرفت فين عندك النقص كل ما غادي لك اون اوفر كي فات بيرميتر ا لا فوا دو ساتيسفير لو بيزوان ديالك انت اي دو رونتابيليزي مون بروجي الوغ جو سيغمونت سي بور ميو اي تري بيان ادابتي مون اوفر لمن les consommateurs qui existent au marché autrement dit les segments que je vais par la suite les cibles سيبلي يعني كتفرقي عاد كتادابتي لوفر ديالك داكوغ الوغ لا بروميير ريزون سي ادابتي لوفر بيان سور ان سو كي كونسيرن لا ستابيليتي جي اون انترفونسيون ايسي اي نو دي كيل دوات لو سيغمون دو ستابل بور اتر رونتابل الوغ لا ستابيليتي علاش شوف بور كيس كون اونتون با لا ستابيليتي تو دابور. La stabilité, c'est-à-dire qu'on doit maintenir notre relation avec ce segment et il doit être fidèle pour qu'il puisse, yani, au fur et à mesure, satisfaire les besoins financiers de l'entreprise. Mais si on est segmenté ou azilt, on ne cache pas les critères de la fidélité. C'est-à-dire que, mais le temps les anarayes là, ramener à moitié les charges, d'y aller ramener chali Allah, quand on te casse à marasser, ne quand on te met pas, j'ai tiré mon handi. Alors dans ce cas-là, la rentabilité elle ne va pas être enregistrée parce que au moment que je vais commencer à amortir les charges et je vais noter les bénéfices, le client qui doit me supporter, parce que quand on payait l'ib d'y aller, elle le musse ou le mad d'y aller, mais on cache que le client va d'y tirer. Va tirer mara l'oula mara tchania, après je vais d'y tirer mon handi. Alors autrement dit, les résultats ils vont connaître une baisse qui est tendancielle et importante. Cela veut dire quoi? Alors le critère de la stabilité, c'est le marketing relationnel, c'est la fidélité. C'est comment attirer le client ou le laisser le plus longtemps possible. D'accord? Alors le critère de la stabilité est très important en matière de la rentabilité. Alors ce que alors adapter l'offre aux attentes des clients. Alors regardez, chauffe. Quand je segmente le marché à des groupes homogènes, yeah, à ce moment-là, regarde, concentre-toi. À ce moment-là, je suis en train de chercher le manque enregistré par ses consommateurs. Le manque, c'est-à-dire le sentiment de besoin. D'accord? Le besoin, au fur et à mesure, je vais essayer de satisfaire les besoins. D'accord? Tu sais le besoin, je ne sais pas. D'accord? Une fois que tu sais que tu as un manque, je vais te faire vendre. نقدر نبيع ولا ما نقدرش نبيع غادي نبيع لانني عرفت فين عندك النقص عطيتك واحد الحاجه اللي كتجاوب هذاك النقص اللي عندك نتيا الوغ اون فا بروندر دو زونتربريز وحده كتسيغمونتي او فور ا ميزور وحده عا كتجي كتحط البرودوي في المارشي وكتحاول تبيعو صح افيك دي استراتيجي كوميرسيال الوغ هذيك اللي باعت سوغ لا باز ديال اون ايتود دو مارشي سوغ لا باز دان سيغمون لي ايدونتيفيت لو بيزوان ديالو دات لا سوليسيون است كو سا فا غارونتير لي فون ديالها بارابور اون اوتر اونتربريز لي ما ايدونتيفيش لو بيزوان جات بغات تبيع. Alors, ce que l'on a dit, les dettes segmentation ou les dettes segmentation? Alors, la segmentation permet le développement et la croissance de l'entreprise en augmentant ses chiffres commerciaux. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, vous notez le deuxième point. Permettre à l'entreprise de trouver de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités de croissance et de développement. Nouvelle opportunité de croissance. Quand tu as l'entreprise, elle a un rebâche, elle a un scaf ou un jadida, qui est très bien, et tu as un rebâche. De croissance et de développement. Ah.
Alors regardez ici. Sauf. Il a l'entreprise, Hawlet. Sauf. Regarde. Concentration, s'il vous plaît. Regarde là. Concentration. Quand une entreprise segmente le marché, d'accord, c'est qu'elle va, regardez, se spécialiser à un segment. D'accord, je m'excuse. Elle va se spécialiser dans un segment. Le fait qu'elle se spécialise sur deux segments, c'est qu'elle est en train de concentrer ses efforts et ses forces à le segment. Ce qui augmente la chance de rentabiliser encore le projet. C'est le cas de le marché. Il est maquillage d'être une segmentation. Alors, les ressources, elles, ils sont partagées sur plusieurs segments. Ou il y a qui coule le risque à la SS, il est maquillage la perfection. Ou qui coule le risque à la segment, il y a une certaine faiblesse au niveau du développement. Il se peut que le segment, ce n'est pas un segment. Il y a une très bonne analyse. Il y a le besoin d'une façon qui est spécifique. Il y a un segment. Alors, il y a besoin de segments. Il y a un segment qui est. Alors, il y a un segment qui est. راك تخلق واحد الريسك ان لو برودوي ديالك اللي تحطوا ليه يقدر ما يتباعش علاش انك ما تقربتيش من داك الكونسوماتور وما عرفتيش لي بيزوين غييل ديالو لي بيزوين لاطون اي لي بيزوين كاشي يعني او دولا دي بيزوين اكسبريمي حيت كان بيزوين اكسبريمي سي ان بيزوين اللي حاس به هذاك لو كونسوماتور بارفو كتلقى ان بيزوين كي بروفون داكور هذاك لو بيزوين بروفون اللي ما تقربتش ليه فاش كنسول وكنبحث ما نقدرش نعرف داكور ولكن ملي كنكون كونسونطري في ان سو سيغمون ديالي وكنكون عارف فيه لو ماكسيموم ou qu'un coup le mqablou. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais augmenter les chances d'y aller. Fayesh. Qu'est-ce que c'est? Alors regarde. Tu peux le faire la délire parce que tu le commences. Smash. Tu peux le faire la délire. Alors, regarde. Alors, regarde. Quand on segmente, d'accord, et quand on choisit un segment, et quand on se spécialise sur le segment, et quand on se concentre sur le segment, c'est qu'on augmente les chances d'identifier les besoins réels, les besoins exprimés, les besoins latents et les besoins cachés derrière le client, pour qu'on puisse mettre une solution qui est pertinente et qui répond à 100% à ses exigences. C'est-à-dire qu'on a une expérience faite, qu'on a le maximum. C'est ce qu'on a fait. Les ressources DNF, l'ensemble des segments qui peuvent exister dans un marché. Alors, une segmentation précise et bien faite augmente les chances à l'entreprise de renforcer sa position ou de un maintien de relations qui vont durer le plus longtemps possible. Et là, c'est parce que quelqu'un a le besoin, a les valeurs de l'eau, a tout ce qui se passe au sein de ce segment. Oui. Et ça aide aussi à. Ça aide aussi l'entreprise à concentrer ses forces. Exactement, parce que ici quand on parle, concentrer ses forces et choisir. Concentrer ses forces et choisir. La taille du segment. Afin de tirer le maximum de profit. Alors, question suivante. Quels sont les différents critères de segmentation? Quels sont les différents critères de segmentation?
Alors regardez, quand on parle des critères de segmentation, il y a plusieurs classifications de critères. Alors, votre professeur, il vous a dit que qu'il y a des critères en deux catégories, ceux qui décrivent les caractéristiques de consommateurs et ceux qui décrivent le comportement de consommateurs. Alors en réalité, c'est de grandes choses, deux grandes catégories de critères de segmentation. Maintenant, on va entrer, il y a les détails au niveau des différents critères de segmentation. Et on va commencer par les critères géo et socio-démographiques. Vous notez, les critères géographiques et socio-démographiques. Les critères géographiques et les critères socio-démographiques. Critères géographiques et critères socio-démographiques. Alors, à trois flèches. L'information par rapport au comportement du consommateur et caractéristiques du consommateur, en gros, il y a d'autres critères de segmentation, d'autres ensembles de critères de segmentation. D'accord ? Alors, je vais vous donner maintenant l'information. Il y a qui va se et par la suite, tout comme les critères légaux comme vous savez. D'accord ? Alors, كلمة كريتير كنعرف كوتلر كوتلر ستا بروفيسور في اليونيفرسيتي في امريكان ودير واحد 65 كتاب ديال الماركتينغ وليت نعرف الوغ كوتلر لا كلشي خاصك ديرها شويه هادو سي ديك اكزاكتومون هما داخلين في راز اكزاكتومون علاش حيت الكبيره دي كريتير اوبجيكتيف دي كريتير سوبجيكتيف دي كريتير اوبجيكتيف سي دي كريتير ايون راسو فيك لا تاي افيك سي كلكو شوز اللي هي اكزاكت شي حاجه اللي كنلقاوها عامه حيت دي كريتير بحال هاد الرجاله والعيالات ماشي الرجاله اللي كيفكروا في واحد الحاجه الوغ الرجاله والعيالات سي دي كريتير اوبجيكتيف كاين الرجاله كاين 50 راجل وكاين 80 مراه Est-ce que je vous ai parlé maintenant de la personnalité de ces hommes ou de la personnalité de ces femmes? Dites-le comme c'est des critères objectifs. Il y a le nombre des femmes et le nombre des hommes. Alors, laissez-moi aller là-bas. Géographique. Social. Démographique. Alors, s'il vous plaît, on va noter quelques critères géographique, par la suite on va les expliquer. De ces éléments basiques qui ne nécessitent pas d'explication. Alors vous notez région multinationale, région nationale, critères par pays par exemple, type d'habitat. Point. Monsieur, les critères sociologiques. Sexe, âge, taille du foyer, sexe, âge, taille du foyer, composition de foyer. Alors, qu'est-ce que vous avez compris ici? Foyer. Oui, là, il est là.
يعني عائلة كبيرة عائلة صغيرة تبارك الله حنا جدودنا راه كان كي 17 ولد 20 ولد Alors, âge, c'est un critère qui est objectif, c'est-à-dire il est entre 20 ans et 50 ans, chaque noahed, entre 30 ans et 40 ans, chaque noahed. Alors, les critères démographiques, critères par revenu, catégorie socio-professionnelle, il y a Khidma Diallo, la religion, niveau d'instruction, 3 points. Alors, c'est des critères géographiques et socio-démographiques. C'est-à-dire que je peux découper le marché qui fait par nature géographique, par nature sociale et nature démographique, ou le socio-démographique, d'accord ? Alors, quand on parle de la région multinationale, chef, nous pouvons parler de la catégorie par pays, par exemple. Alors, nous pouvons parler, par exemple, on va découper le marché américain, le marché marocain, le marché italien, d'accord ? Est-ce que vous avez compris ou là ? Alors, je suis en train de découper le monde à des marchés et je peux, par exemple, orienter ma stratégie marketing vers le marché européen ou le marché américain. Mais les camarades disent par exemple des études ou des recherches, une recherche qui a été faite sur le marché américain, nous avons relevé que 30% des consommateurs, c'est des consommateurs qui achètent par exemple, qui consomment le lait, 70 litres, je suis en train de donner des informations selon des segments que j'ai choisis. Ici j'ai choisi un segment par pays, d'accord. Nous pouvons dire encore par ville, يعني سيغمونتي هادو ديال مراكش هادو ديال فاس ديال مكناس ديال سطات انسي دو سويت داكور alors il y a les catégories socio-démographiques ici quand on parle du sexe c'est quand on va segmenter selon le sexe homme ou la femme alors selon l'âge et ainsi de suite alors suivant selon le niveau d'instruction c'est-à-dire chef par exemple, ceux qui disposent le bac, ceux qui disposent le doctorat, ceux qui disposent le master, donc on va dire, le master a le produit X, le bac a le produit Y, et ainsi de suite. D'accord ? Alors, c'est des critères de segmentation. C'est clair ou là, c'est pas clair ? Alors, deuxième critère, c'est des critères psychographiques. Alors, critères psychographiques. Il y a plusieurs critères, on va traiter les critères de comportement. Psychographique. Alors les critères psychographiques, je vais vous donner la définition, c'est très simple et par la suite on va passer aux exemples. Alors, ce critère se rapporte au style de vie des individus et à leur valeur et personnalité. Valeur et personnalité. Alors regardez, c'est des critères subjectifs. Subjectif, yani, chof, tu vas prendre le même objectif ou subjectif. Alors regarde. Tu peux répondre. Alors regarde. Silence. Alors, quelle est la différence entre un critère objectif et un critère subjectif ?
كريتير اوبجيكتيف ما كياخذش الحاله ديال الانسان اللي كدير له السيجمنت. يعني كنقول لك كاين 20 امراه 50 راجل وجبت لك على هاد الرجال ولا هاد المراه كيفاش دايرين في الكاركتير ديالهم في الكومبورتمون ديالهم. القسم باغ اكزومبل نقصدو قسم على جوج فيه 20 بنت و10 دراري. الو ici c'est la quantité, ici c'est je sais pas de distinguer entre les hommes qui sont dans l'ensemble et les femmes qui sont dans l'ensemble. كنقول لك 50 بنت و20 دري. C'est un critère qui est عام ما كندخلش في التفاصيل ديالو. ولكن الا قلت لك باغ اكزومبل فهاد القسم هذا كاين 50 بنت, شوف كاين 50 بنت اللي 20 فيهم عندهم واحد العقليه open minded صدق ما مسوقينش, عندهم واحد 30 واحد الراديكاليه الماركسيسيه اللي من المعارضه داكوغ يا سيدي سير كضحك انت. الو سلا ماجيك كوا سلا ماجيك كنت دخلت لك فين, دخلت لك في لا بيرسوناليتي ديالهم, دخلت لك في لي فالور ديالهم وبديت كنعطيك واحد الحاله يعني الحاله النفسيه ديالهم اللي كتعبر على واحد الكومبورتمون سبيسيفيك ديال هذوك الجروب ديال البنات. Ici c'est quelque chose qui est relatif, il y a à la cabache le comportement de l'individu. Ma prenez le l'amiat, le l'amiat ou l'amiat. 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 Hein? L'amiat. D'accord. Prenez le mot. T'es les musiques. Prenez le mot. L'amiat. Prenez le mot. ولينا كندخلوا في التفاصيل ديال هذاك الشخص اللي درنا ليه السيغمون داكوغ. الوغ ici c'est un critère subjectif. اما quand on parle de la quantité il y a 20 femmes et 40 hommes ici c'est des critères objectifs. ما كندخلش في التفاصيل كنبقى غير شي حاجه اللي هي عامه داكوغ. الوغ هاد لي كريتير بسيكو الكريتير بسيكوغرافيك c'est un critère objectif ou subjectif parce que ça parle de quoi, ça parle de la personnalité et ça parle de quoi, du style de vie d'accord. Alors, il s'agit d'un segment à caractère individuel, subjectif. Ce genre de critère peut être utile pour enrichir la réflexion. Alors, ici, quand on parle des entreprises de Kibéron, chauffe, les Kibéron, c'est la mode, qui doit suivre la tendance. Et donc, les entreprises, les critères de segmentation, qui sont par style de vie. Alors, par exemple, il y a le style décontracté, le style voyage. Alors, les choses que j'ai dit, c'est le style from world, avec des chapeaux et tout. D'accord. Alors ici, on entre dans le style de vie des personnes et on essaie de mettre en place un produit qui va répondre à leur attente. D'accord. Il y a une carte de mentouj, dans le malabis, carte de mentouj qui te matche avec la personnalité de l'insane et avec la façon de la vie qu'il veut vivre. Avec le style Bob Marley, qui veut par exemple dire les choses comme Rasta, comme le peace and love. D'accord. On essaie de leur donner les besoins, de satisfaire les besoins sous forme de vêtements qui vont suivre les tendances des quelques individus. Alors, avec les critères psychographiques, ils essaient un peu de satisfaire le besoin ayant relation avec le comportement et le style de vie. Fais-tu le fais-tu. Alors, sans les entreprises, par exemple, les entreprises qui déroulent les vêtements d'y aller. D'accord. Troisième critère de segmentation, les critères comportementaux. Hein? Critères comportementaux, un critère. Alors, vous notez la définition, par la suite on va expliquer. Je m'en dérange pas. Il s'agit de découper le marché au groupe homogène. Selon leur comportement virgule motivation attitude et expérience à l'égard d'un produit. Sauf, mais les lieux les critères, je ne sais pas comment ça touche. Alors, vous notez avec lui, mais les rédigeants, je ne sais pas. Les locaux.
Alors, c'est quoi le premier critère? C'est quoi le premier critère? Situation d'achat et de consommation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément du marché? Vas-y. Segmentation, situation. Chenot, tu répètes. Vas-y, le premier critère, c'est le critère. D'accord. Vas-y. Une segmentation qui permet à l'entreprise de se positionner sur la base des occasions d'usage et non pas sur des segments des consommateurs. Alors, alors, s'il vous plaît, silence, on continue. Yalla, on continue. Alors, critère rabais, c'est le rôle dans le processus d'achat. Alors, le premier critère, c'est situation d'achat de consommation. Deuxième critère, c'est selon le statut de l'utilisation. Troisième critère, c'est selon le niveau d'utilisation. Et quatrièmement, c'est le rôle dans le processus d'achat. Alors, on commence par le quatrième et on va radio Charles-Jolo. Alors, regardez ici. Yann. Est-ce que vous vous rappelez des intervenants dans le processus d'achat? Je suis sûr que je suis.
Alors, s'il vous plaît. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, on a étudié les intervenants dans le processus d'achat. Qu'est-ce qu'on a dit sur les intervenants dans le processus d'achat? Les intervenants dans le processus d'achat, c'est... Très bien, très bien. Alors ici, regardez. Très bien. Alors, quand on parle de la segmentation, il y a encore une partie de la segmentation qui va traiter des intervenants dans le processus d'achat. C'est-à-dire que le segment... C'est pas le cas. Il y a la concentration. Alors, regardez, concentration. Et là, c'est pas grave. Alors, regardez. Au niveau de la segmentation, on peut segmenter selon les intervenants dans le processus d'achat. C'est-à-dire, regardez. On peut segmenter selon les acheteurs, on peut segmenter selon les. S'il vous plaît. Nous avons dit que au niveau. Exactement. D'abord, normalement, je vais vous dire une chose. دين هاد الضجة هائلة. يلا، on continue on a bien. Alors quand on parle des intervenants au niveau du processus d'achat, nous avons dit que les intervenants forment les décideurs, les acheteurs, les utilisateurs, ainsi de suite. D'accord? Alors il y a une partie de la segmentation. Parmi les critères de la segmentation, on peut segmenter selon les intervenants au niveau du processus d'achat. C'est-à-dire que ce segment ADA se compose des acheteurs. Ce segment ADA se compose des utilisateurs. Ce segment ADA se compose des décideurs. Regardez, parce que je sais très bien que la vente de l'article d'Ali doit transiter par l'ensemble des intervenants dès le processus d'achat. Je vais considérer qu'un agent économique qui a acheté l'article d'Ali, il satisfait les besoins d'Ali, l'ensemble des intervenants fasse le processus d'achat. Il suffit juste qu'un contre, avec les intervenants, il se peut que avec le fait qu'il est contre, ça peut mettre en place une motivation qui est négative et freiner l'opération d'achat. C'est clair? L'acte d'achat, ou le fait de transformer une motivation en un acte. Oui, c'est une opération d'achat. Ça va être comme ça, selon le niveau d'utilisation. Alors, l'utilisateur, monsieur, regarde. Ici, je peux segmenter le marché selon le degré d'utilisation, c'est-à-dire... Quand on parle du degré, c'est-à-dire qu'il y a une faible utilisation, ou une utilisation moyenne, ou une forte utilisation. Il y a une autre chose, par exemple, nous allons dire un afsoq, les gens qui consomment le produit, il y a une supposition que nous allons dire le shampoing, en général. Alors, ce segment, il utilise le shampoing, par exemple, d'un degré qui est fort ou là important, c'est-à-dire que les qui s'aiment par exemple 3 fois
في الشهر ولا 4 مرات في الشهر كيقدر يشري شامبوان. داكوغ؟ الوغ شحال من سيغمون كيشري 4 ديال الشامبوان في 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 الشهر؟ كاين ان سيغمون كيشري باغ اكزومبل 2 فوا باغ موا، كاين ان سيغمون ما كيشريش ها كيطلب، كاين انسي دو سويت. سي دي كريتير نقدر سي سيلون لو دوغري دو تي دوتيليزاسيون. الوغ فورت دوتيليزاسيون، اوتيليزاسيون موين ولا اون فابل اوتيليزاسيون. كتبتوهم؟ الوغ كتبوهم. فابل اوتيليزاسيون هذا في الكريتير ديال لو نيفو دوتيليزاسيون. دابا العلم درناها لي زانترفونون في البروسيس داشا ها. الوغ فو نوتي الرابعه، الرابعه على العلم، الرابعه على العلم كاع. الوغ ايدونتيفي لي زانترفونون dans le processus d'achat. Identifier les intervenants dans le processus d'achat. Donc, on va faire nous comme les intervenants. Acheteurs, des utilisateurs, c'est dessus. Alors, selon le niveau, tu as le problème. Selon le niveau d'utilisation. Hein? Très bien. Alors, je peux segmenter selon le degré d'utilisation. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Oui. Oui. C'est une autre classification des intervenants. Parce que les intervenants, quel est qui trouve le prescripteur ou quel est qui est la deuxième classification. Pour la prof, je de toute façon, je vais vous parler encore du processus d'achat. Je pense que vous cherchez qui est l'achat, c'est le processus d'achat. Les intervenants du processus d'achat selon le mot que tu viens de balancer maintenant. C'est comme une question par rapport à ça, qui parle du processus d'achat. Jusqu'à le degré d'utilisation, souscription. Fort, faible et moyenne utilisation. Troisièmement, selon le statut d'utilisateur. Très bien. C'est-à-dire, est-ce que c'est un utilisateur régulier ou un utilisateur occasionnel ou un utilisateur, par exemple, encore non utilisateur, c'est-à-dire que c'est des critères de segmentation, c'est le comportement vis-à-vis la consommation d'un type d'article ou la consommation d'un type de service. Il y a des gens qui s'utilisent, 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 il y a des gens qui d'accord. Yalla, vous notez. Alors, nouveau utilisateur. Nouveau utilisateur, utilisateur régulier, c'est bon. Allah t'aime sauce, donc Allah m'a chamelou. Alors, utilisateur régulier, bah, elle a appris une chouille à la classique, néoclassique ou Karl Marx. ريكاردو تحنا ريكاردو ادمز ماشي هما جوج دخلوا في راسو حتى استاسوني غنتبع بعدا كتقول لي الصوت 30 مره هذا الخاصين شاد الخاصين ولا حشر بلوك نهار الخميس تدخلوا مع صحاب الباك، نهار الخميس عندهم الماناجمنت استراتيجي، عندهم لورغانيزاسيون زونتربريز، نهار الخميس تدخلوا معاهم، مع تدخلوا مع رضا، مع صحاب الباك، عند سبعة لتسعة، نهار الخميس، غنبقاو ندخلوا معاها ديما، وأنا راه ملي غادي نعاد البنات يجيو عندي ديك الخطرة للبيرو، نخدم معاهم تمايا، نجيو معاهم، خديتي مال التليفون ديالهم، ها؟ كيفاش؟ لا راه خي بحال الاخرى لا غادي يعلموا يمكن ما يعلموش الشركه عندها خاصه مره واحده راه مره واحده اللي مشينا
avec le marocain, je pense que ma question est de marocain. مرجيف شوف اون بو فير اون بو فير لاندي عندي في الكبير وجو عندي بان واخا ما كانش خدمه جو عندي ماشي مشكل في الصباح مع ديك 10 تاع الفطور مع راسك تكون جو عندي انا عندي بحال العيد بحال ما عنديش العيد ايام الله كل اعياد ها مردي نون بلي دي سي داك يلا 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 كونتينيو هاي في لكم تساوى زيدوا تهضروا في التخربيق كونتينيو يلا في طاقتي في الهضره يعني ما خصنيش كاين شنو هي شنو فين وصلنا سيبلاش بلاش بلاش نكملوا هذه النقطه هذه وندوزوا للسيبلاش Régulier, utilisateur occasionnel et non utilisateur. Ou le nouveau utilisateur, tu as. D'où la situation d'achat? Alors, en ce qui concerne la situation d'achat, par exemple, et le même exemple que la dernière fois, je vous ai dit que pour une entreprise, par exemple, qui propose des cadeaux, une entreprise qui propose des cadeaux. Alors, les cadeaux qu'elle peut proposer, c'est sur plusieurs situations. Elle accepte, par exemple, le cadeau de mariage, le cadeau d'anniversaire, le cadeau, par exemple, des cadeaux encore de fin d'année. Alors, l'entreprise, que tu voulais, elle oriente yani, la segmentation d'elle par rapport, sauf par rapport à la situation, les consommateurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers. Donc, que tu voulais qu'elle ait de la segmentation, non pas par rapport au produit, mais par rapport à la situation. C'est-à-dire que je peux offrir, je connais moi par exemple les segments, par exemple l'anniversaire, qu'est-ce que je peux proposer pour les anniversaires? Je peux proposer par exemple un pack complet, fait l'animation, par exemple fait le gâteau, fait par exemple le DJ, et ainsi de suite. Alors qu'on voulait qu'on ait une segmentation selon la situation, les entreprises, par exemple je peux segmenter. Par rapport qui m'a dit comme les cadeaux par rapport aux cadeaux il est parlé c'est un exemple qui bien ou quand même tu quand même il y a une entreprise qui te propose les cadeaux est-ce que tu proposes mais qu'est-ce cadeau واحد تبقى تبيعوا كل شيء لا كتشوف شنو الحاله انت اللي عايشه فيها فديك الحاله اللي عايشه فيها كتش بروبوز عليك ان كادو d'accord c'est selon la situation selon la situation alors c'est clair alors qu'est-ce que nous avons ici encore au niveau de votre cours alors Vous notez, il existe encore une autre classification. Il existe encore d'autres classifications des critères de segmentation. Il y a l'achti, il y a l'achto, sauf, il y a l'achto, il y a l'ignadaba, que je me rends des ensembles. Regardez, les caractéristiques de consommateurs. C'est les critères géographiques, sociodémographiques et psychographiques. Nazir Koucheh. Nazir Koucheh. Alors, vous notez, les critères de segmentation, de points, caractéristiques des consommateurs. Caractéristiques des consommateurs, de points. Kadjim Ofea, critères géographiques, critères sociodémographiques. Les critères psychographiques. Les caractéristiques des consommateurs. On a trois flèches. Géographique, sociodémographique et psychographique. Deuxième critère. Critère lié au comportement des consommateurs. Critères liés au comportement de consommateurs. Les occasions d'achat,
avantage recherché dans le produit. Qui peut m'expliquer ce qu'on entend? Oui. Alors, comportement de consommateur, deux points, les critères. Alors, les occasions d'achat. La chose de Bahouk, je vais vous dire que je suis un peu plus cher. Attends, je vais vous dire. Les occasions d'achat. Qui est le deuxième critère qui est l'avantage recherché dans le produit? On peut segmenter le marché selon l'avantage cherché dans le produit. Il y a un groupe de consommateurs qui cherche par exemple la durabilité, un produit qui dure plus longtemps sur le marché. Il y a d'autres qui cherchent par exemple, regardez, le confort, un produit qui va être confortable. Exactement, très bien. Alors, dans le marché, le groupe, c'est qui brûle le confort. Qui brûle par exemple la sécurité du produit. Qui brûle la rapidité. Qui brûle ainsi de suite. Alors, c'est les valeurs ou les caractéristiques cherchées dans le produit. D'accord? Alors, il y a encore un autre critère, c'est le critère d'utilisation. Alors, franchement, le critère d'utilisation. Est-ce que c'est un critère d'utilisation? Est-ce que c'est un critère d'utilisation? Exactement. C'est une classification à l'aide de le prof. D'accord? Et en fin de compte, le degré de fidélité, c'est-à-dire que consommateur fidèle et consommateur non fidèle. Tu es fidèle ou non fidèle? Vous êtes fidèle ou non fidèle? Tu es fidèle ou non fidèle? Tu es fidèle Castro? Neutre. Yalla. C'est bon? On passe au ciblage? Oui. Yalla. Chauffe. Attends, comme un document, regardez ici. Vous pouvez le lire. Là, vous allez trouver les conditions de la réussite, la segmentation, ainsi que vous allez trouver les stratégies de segmentation. Hein? À faire, c'est le hack. Là, on a un cas de les critères de segmentation et les conditions de la réussite. On a vu les conditions de la de réussite de segmentation. Oui. La pertinence, la mesurabilité, l'accessibilité et la rentabilité. Si vous avez le cours de coucher, vous avez le cours de coucher. Vous avez le cours de France. On a dit le support. Les erreurs à éviter et la position de ciblage. On met les choix stratégiques. Hein? Chauffe. C'est-à-dire que vous devez être capable de faire la différence entre la stratégie de spécialisation et la diversification. C'est la même chose. Exactement. C'est le même programme. Les différents types de stratégies, la planification stratégique, les avantages et les inconvénients de chaque stratégie, le financement de la stratégie et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le ciblage? S'il vous plaît. Alors, regardez ici. Le ciblage. Il s'agit d'évaluer l'attrait relatif de chaque segment et choisir celui ou ceux sur lesquels elle concentrera ses efforts en cohérence avec ses objectifs, ses compétences et ses ressources. Autrement dit,
quand je vais segmenter le marché, je dois choisir quel segment que je dois cibler. Je peux choisir un ou plusieurs segments. En fonction de quoi? En fonction des objectifs de l'entreprise. C'est clair ou c'est pas clair? Vous notez une petite définition qui est simple. Vous notez? Une fois le marché segmenté, l'entreprise passe à la sélection du segment. Une fois le marché est segmenté, l'entreprise passe à la sélection des segments qui l'intéressent. Alors, s'il vous plaît, quels sont les éléments qui conditionnent le choix d'un segment? Quels sont les éléments qui conditionnent l'image سوف اختار هذا السيغمون ولن اختار سيغمون اخر؟ ها؟ علاش كنختار؟ شنو هما النقاط اللي كنقدر نتبازى عليهم باش نزيد هذا السيغمون ونزيد السيغمون الاخر؟ Alors, la rentabilité, c'est-à-dire que le segment doit rentabiliser le résultat de l'entreprise. La rentabilité, la taille et l'intensité de la concurrence. Yani, كل ما كان فيه الصداع كل ما خصني بعد عليه. L'intensité de la concurrence, la taille ainsi que la rentabilité. Hein? Qui conditionne le choix d'un segment? C'est-à-dire qui conditionne le ciblage. Cibler, c'est choisir. Le choix d'un segment. Alors, question. Quelles sont les stratégies que peut emprunter une entreprise à travers le ciblage? Quelles sont les stratégies que peut emprunter une entreprise à travers le ciblage? Que peut emprunter une entreprise pour le choix d'un segment à travers le ciblage? Andilo, les quatre stratégies, on va les expliquer la prochaine fois. Alors, la stratégie concentrée. La stratégie différenciée, ou le multisegment, c'est-à-dire soit je vais choisir un seul segment, soit je vais choisir plusieurs segments. Soit le one-to-one, stratégie d'atomisation, le one-to-one, stratégie d'atomisation, one-to-one, ou la stratégie de combinaison. C'est quand une entreprise combine au moins deux segments, que tu mets deux segments. One-to-one. O-N-E-T-O-O-N-E. C'est pas hein? One-to-one.
On commence les explications la semaine prochaine. Barak. Hein? Somme.